En juillet 2012, mon invité monte sur la troisième marche du podium lors des Jeux olympiques de Londres. 4 ans plus tard, en raison d'un jeu de domino dû à un dopage détecté sur les deux athlètes devant elle, elle se voit octroyer la médaille d'or qu'elle recevra ou a déjà reçue par la poste en 2018. Vraiment, quelle histoire! Elle vient nous en parler et également nous présenter son livre De la défaite à la victoire. Alors, mon invité, notre championne olympique en haltérophilie, Christine Gérard. Christine Gérard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Partir de Vancouver pour venir en studio. On va se vanter un peu. Pour venir. Effectivement, ça fait un long chemin. Oui, ça fait un long chemin, mais il faut dire que Christine était au Salon du livre de la Abitibi-Témiscamingue au mois de mai dernier à la Serre. De la défaite à la victoire, on va aller plus en profondeur tantôt de ce livre-là, parce que moi, je l'ai dévoré, comme on dit, je l'ai, puis c'est vraiment bien fait et ça explique beaucoup de choses, beaucoup. Il y a des noms et prénoms qui ont été changés pour ne pas que ce soit reconnu, et c'est tout à fait normal. Alors, on va débuter, Christine, si vous me permettez. Comment votre carrière a commencé? Comment Christine Gérard s'est aperçue une bonne fois que, tiens, moi, l'haltérophilie, là, ça me tente, j'aimerais ça. Ça a commencé où? À quel âge? Puis si on parlait de votre premier instructeur. En fait, ça a commencé, ça fait longtemps, j'avais 10 ans. OK. Je suis la plus jeune d'une famille de 4 enfants. Donc, moi, j'ai toujours suivi les traces de mes 3 sœurs plus vieilles que moi. Ma sœur, elle avait rencontré une fille qui avait fait les championnats du monde junior en haltérophilie et ma sœur était très décidée à faire de l'haltérophilie. Quand on a déménagé d'Ontario au Québec, mes parents voulaient qu'on fasse un nouveau sport pour pouvoir s'intégrer plus facilement et ma sœur voulait faire de l'haltérophilie. Mes parents ils ont dit non, non, on veut que vous vous intégrez, là. C'est pas l'idéal. Donc, mais ma sœur était très tenace, fait que finalement mes parents ont accepté. Puis c'est comme ça qu'elle a commencé l'haltérophilie. Moi, j'allais la voir à ses entraînements. Donc, peu de temps après, j'ai commencé J'ai à donné faire le aussi. goût à ce Exactement. Donc, moment-là. je me souviens encore que mon père me dit qu'il fallait que je demande la permission à l'entraîneur de l'époque, Roch Blanchard, qui était responsable du club Héraclès. Je lui ai demandé est-ce que je peux m'entraîner moi aussi. Il m'a dit oui, mais il savait pas trop. C'était pas très commun d'avoir des jeunes filles de cet Mais âge-là. non, c'est sûr. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Vous aviez quel âge? 10 ans. Bon, 10 ans. C'était à Rouen. Oui, à Rouen. J'ai toujours habité à Rouen avant OK, d'être. vous y êtes toujours. Donc, ça veut dire que l'Abitibi-Ouest, vous n'êtes pas venu en Abitibi-Ouest faire de l'haltérophilie. Ça s'est concentré à Rouyn-Noranda. Exactement. Il y a 2 clubs très forts en Abitibi, c'est à Rouyn et à La Sarre. C'est ça, oui. Donc, je suis venue compétitionner très souvent à La OK. Sarre, mais jamais, jamais je me suis entraînée ici. OK. Si. On va aller sur votre livre, si vous me permettez, parce que le but, quand même, premier de cette émission-là, c'est de faire connaître votre livre qu'on a ici. Qui vous a donné ou qu'est-ce qui vous a donné le goût d'écrire ce livre-là? Et soit dit en passant, il est très bien fait. Merci, c'est Très, très gentil. bien fait. Mais qui. C'est sûr que ça relate un peu là, tout ce qui s'est passé de malheureux sur un côté qui aujourd'hui est heureux, et on va expliquer pourquoi tantôt, mais qu'est-ce qui vous a donné le goût d'écrire ce livre-là? En fait, c'est à l'été 2016 qu'on a appris tous les changements de médailles, donc les premiers dévoilements de tests positifs. Donc cet été-là, ça a été un été assez mouvementé pour moi, assez riche en émotions. Je venais juste d'accoucher de ma deuxième petite fille prématurément. Puis là, j'apprenais tous ces changements de médailles-là. Puis là, dans la même semaine, 3 personnes m'ont dit, hey, peut-être que tu devrais écrire un livre. Et la troisième personne était Émilie Lachapelle des éditions Zélé de Oui, Ville-Marie. Devinez. Donc, quand elle m'a écrit, là, j'ai dit, bon, OK, elle écrit des livres, Allez, puis elle me voilà. dit que ça serait peut-être une bonne idée. Donc, j'ai été la rencontrer à Ville-Marie durant un de mes voyages ici. Puis, c'est là qu'elle m'a expliqué son projet. Elle voulait que j'écrive un livre pour adolescents. Je suis repartie avec ça, j'ai médité, puis j'ai décidé que je pense que mon histoire vaut la peine d'être racontée, puis je voulais qu'elle soit racontée dans mes mots. Puis les 4 amis qui ont
un plus gros impact ou qui ont été les plus significatifs dans ma vie, c'est vraiment d'un Olympique à l'autre. Oui. Donc, de 2008 à 2012. Et c'est pour ça que j'ai vraiment décidé d'écrire mon histoire de ces 4 années-là, qui ont été vraiment charnières dans ma vie. Ah mon Dieu, oui, c'était. Puis, justement, d'entrée en ondes, on se parlait, puis on disait, ce qui est arrivé là, dans votre vie olympienne, ce qui est arrivé là, vous êtes en dehors d'un podium. Vous montez sur le podium dû à un dopage. Et pas de vous, là, de Non. l'autre athlète, parce qu'on va en venir aussi là, sur la drogue. Puis, après ça, un peu plus tard, il se passe une autre chose, c'est que vous êtes sur le podium, sur la troisième marche, la deuxième et la première marche. Moi, de toute ma vie, j'ai fait des recherches, puis je pense que c'est jamais arrivé. Vous êtes unique au monde à qui ça a pu arriver. C'est une histoire assez particulière. Je pense qu'il y a eu une autre fille en Ah haltérophilie qui oui, vient de OK. l'Espagne qui a eu Un un parcours un peu de même, changement. un Oui, changement comme ça, oui. exactement. OK. Qui, elle, en fait, je pense qu'elle est arrivée de 4e place à médaille d'or Ah mon Dieu, OK. en En dehors, haltérophilie. tu vas dire, puis elle s'en va sur la plus haute marche du Ouais, si je me podium. trompe pas. OK. Donc, mais effectivement, je pense qu'on est à peu près juste les deux. On n'est pas beaucoup. Non, C'est une mais histoire assez particulière. c'est vraiment particulier. Ça doit. C'est invraisemblable, c'est sûr. Effectivement. Exactement, parce que quand on lit ça, puis quand on va sur Internet aussi, puis on regarde votre parcours, on se dit, mais voyons donc, c'est presque invraisemblable. Le fait d'écrire votre histoire qui s'est passée, est-ce que ça l'a ressassé des moments, est-ce que les moments que vous avez ressortis de là-dessus, ce sont plus des moments positifs que négatifs? Bien, en fait, ça a été les 4 années les plus difficiles de ma vie, hein. Fait que c'est sûr qu'il y a énormément d'embûches dans ce livre-là, des moments extrêmement difficiles, entre autres mon burn-out qui a été très, très difficile. Mais je pense que chaque côté négatif apporte son positif. Oui. Puis je pense que c'est ce que j'ai voulu relater dans mon livre. On a toutes des embûches, on a toutes des difficultés. Puis l'important, c'est pas de tomber, mais c'est de se relever. Voilà, Puis le nombre de exactement. fois qu'on se relève, c'est ce qui fait. Si on, où est-ce qu'on se rend dans la vie. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment ça, mon livre. Je pense qu'il y a autant de positifs que de négatifs, mais les vagues sont assez grandes, je dirais. Ouais. Exactement. Le creux de vague était creux. Oui, effectivement. Puis après ça, ben, on se voit au haut de la vague. On dit, ah, ben, j'ai monté, j'ai Oui. réussi. C'est tout en votre honneur, Ben, Christine, merci. c'est en passant. Vous êtes la première double médaillée canadienne en haltérophilie. Ça aussi, c'est un honneur. Ben oui, c'est certain. De marquer l'histoire de mon sport au Canada, c'est sûr que c'est un grand honneur. Oui. Oui, exactement. Revivre votre 4e place à Pékin en 2008, ce dû être vraiment intense. Vous en parlez, puis. Moi, j'ai eu ça, puis je vous ai suivi dans ça, puis je me dis, mais mon Dieu Seigneur, ça devait être intense, une affaire terrible. Mais je pense que tout le monde qui va aux Olympiques, c'est intense. Oui, ben, au départ, oui, Les juste sports le de haut fait de niveau. se rendre Exactement. là, oui. Donc, toutes les émotions qu'on vit aux Olympiques sont toujours décuplées. C'est vraiment très intense. Donc, c'est sûr que ma participation en 2008 a été particulièrement intense. Médaille, pas de médaille, peut-être médaille, finalement pas de médaille, puis finalement, des années plus tard, médaille. Donc, c'est sûr que les moments... Et revenir de 2008 a été extrêmement difficile aussi. Je suis revenue, puis tout de suite, je commençais l'université OK. pour ma dernière année en enseignement des maths. Donc, ça a été une année très intense, comme on peut le voir on peut le lire dans le livre. Oui, exactement. Mais c'est sûr que de revivre les émotions que j'ai vécues en 2008, durant la compétition, mais surtout après, ça a été assez intense. Est-ce que 2008 a été pire que 2012? Ben, pire, oui, parce que je finissais 4e. C'est ça, Donc, vous étiez en dehors du podium. exactement. Tandis qu'en 2012, vous aviez un pied sur le podium, là, au moins. Exactement. Donc, en 2012, j'étais perçue comme une championne. En 2008, j'étais perçue comme un échec. Donc, j'avais Ah, échoué le OK, podium. c'est vrai, oui. Tandis qu'à Londres, j'avais réussi le podium. Donc, même si ma performance était quand même bonne à Pékin, j'avais
j'étais quand même associée à j'ai manqué un podium. Tandis qu'à Londres, j'aurais pu avoir la médaille d'argent. J'ai manqué mon dernier essai qui m'aurait donné une médaille d'argent, mais j'avais quand même mérité une médaille de bronze. Donc, j'avais réussi à C'est ça. avoir la médaille de. Fait que c'est sûr que Londres a été vraiment différent. Et après, j'ai eu beaucoup d'entrevues, beaucoup de médias, beaucoup de demandes. J'étais vraiment. Je pouvais me promener fièrement avec ma Ben médaille oui, puis dire j'ai exactement. réussi. Je suis la première femme en haltérophilie au Canada à avoir une médaille. Allez-y, les petites filles, on est capable de C'est s'entraîner ça. puis de Exact. réussir à un haut niveau. Donc, pour moi, j'ouvrais les portes en 2012. Là, Oui. c'était un succès. Oui, puis vous avez été un modèle également, parce qu'après ça, l'haltérophilie ici chez nous, là, c'est là qu'on a vu aussi, partir peut-être de 2008, mais au début des années 2010, l'haltérophilie a pris de l'ampleur énormément là, ici. Puis là, on avait en tête Christine Gérard. C'est ça qu'on avait là. Bien, c'est sûr que mon nom est associé à mon sport beaucoup et le monde le savent mieux maintenant. Ça aurait été complètement différent si j'avais eu mes médailles à Antan. C'est sûr que ça aurait été encore plus grand, mais l'association se fait, oui. On va en parler de la médaille d'or. Au moment où l'émission est enregistrée, vous n'avez pas reçu votre médaille d'or encore. Ça va venir au moment où l'émission va passer, sûrement qu'elle sera arrivée, sûrement. J'espère. Mais je me mets à la place, à votre place. Vous êtes troisième sur le podium. Vous regardez celle qui est sur la plus haute marche du podium. Son hymne national joue, son drapeau est levé au centre. Ça, c'est toute une fierté, là. OK? Christine Gérard, elle est là, sur la troisième marche. Elle est fière aussi, c'est certain. Mais là, vous allez recevoir votre médaille d'or avec moins, ben, en parenthèse, moins d'honneur. Je devrais peut-être pas dire ça, parce qu'on va sûrement vous faire une fête et on va vous remettre dans toute la grandeur possible, et je vous le souhaite, mais de ne pas, d'avoir raté la montée du drapeau, l'hymne national, est-ce que c'est une déception, Christine Girard? C'est sûr que je vais toujours me demander ce que ça aurait été si. Il y a beaucoup de si dans mon histoire, Oui, effectivement. exactement, oui. Mais un peu comme je disais tantôt avec les moments difficiles, je pense que ça fait partie, chaque moment négatif apporte leur côté positif aussi. C'est sûr que j'ai des regrets que j'aurai jamais l'hymne national aux Olympiques. Dans l'état d'esprit dans lequel j'étais à Londres, je pourrais pas recréer ça. Donc c'est Ah, sûr que c'est sûr. même en ayant une cérémonie des années plus tard, ça sera pas la même chose. Ça va être Non. complètement différent. Mais ce que je dis, ce que je crois fermement, c'est que ma médaille, elle a beaucoup plus de signification maintenant que si je l'avais eue il y a des années. Maintenant, je ne reçois pas ma médaille en tant que Christine Girard. Je reçois ma médaille en tant que Canadienne qui s'est entraînée propre pendant des années puis qui a prouvé au monde que c'était possible d'être la meilleure au monde en étant fidèle à soi-même. Fidèle à soi-même. Et c'est les valeurs de notre pays qui gagnent ici. Fait que pour moi, là, la signification des médailles est beaucoup plus grande. Puis c'est une grande fierté que ce soit mon nom qui soit associé à ça. Mais je pense que pour la lutte contre le dopage, il n'y a pas une plus belle histoire que celle-là. Ça, c'est vrai, exactement. Donc, c'est ma persévérance puis ma ténacité qui a été récompensée, mais c'est au nom des Canadiens au complet que je vais recevoir cette médaille-là. Vous avez dit un mot qui est très important. Vous êtes propre. Et ça, c'est important de le dire. Les deux autres personnes en avant de vous, lors de la cérémonie des médailles, qu'on appelle, vous étiez propre, eux autres n'étaient pas propres. Mais cette valeur, ça a sorti 4 ans plus tard ou 2 ans plus tard, là, quand ça a sorti. Et je vous crois quand vous dites que pour vous, c'est une grande fierté parce que vous étiez propre. Et ça, on ne le dira jamais assez. C'est donc dire que pour Christine Girard, le dopage, jamais. Moi, j'ai commencé à voir des tests antidopage, j'avais 14 ans.
OK. J'étais tellement jeune qu'il fallait que ma sœur regarde la femme qui me donnait un test pour s'assurer que tout était dans les ordres. Donc, à partir de 14 ans, moi, mes yeux ont été ouverts pour sur le dopage. Puis là, c'est là que j'ai appris que mon sport était un sport qui était ciblé pour le dopage parce qu'il y OK. en avait quand même beaucoup à l'international. Et la corrélation entre les résultats sportifs en haltérophilie et la prise de drogue est très, très grande. Donc, à partir de ce moment-là, moi, j'ai eu des tests régulièrement inopiné. Donc, à tout moment de la journée, quelqu'un pouvait venir cogner à la porte pour me faire faire un test antidopage. Le Canada est un des pays les plus stricts contre le dopage. OK. C'est pour ça que l'Agence internationale contre le dopage est basée à Montréal. Le monde, les Canadiens doivent être fiers de ça, ils doivent connaître ça. Au Canada, c'est pratiquement impossible de tricher. OK. Ici, jamais, jamais je me suis fait offrir des choses. Jamais, Ah, jamais. moi justement, est-ce que je voulais en venir à ça, justement, est-ce qu'on vous a incité, est-ce qu'on vous a Jamais. essayé Jamais. de vous passer de la dope, excusez l'expression, là, Non, mais... jamais, jamais. Et au-delà de ça, non seulement je m'en suis jamais fait offrir, mais en tant qu'athlète, on doit passer certains modules éducatifs en ligne pour nous apprendre c'est quoi le dopage, pour apprendre c'est quoi les effets secondaires, pour apprendre pourquoi il faut pas se doper et c'est quoi les règles à suivre pour s'assurer que tout ce qu'on prend est correct. Et légal, Donc, c'est c'est ça. sûr que même au niveau des suppléments, certains suppléments peuvent être contaminés, dépendamment dans quelle usine ont été faits. Donc, c'est extrêmement strict. OK. Certaines médications, on ne peut pas prendre. Écoute, j'avais mal à la tête, puis moi, je ne prenais rien au cas où qu'il Ah, y mon ait quelque Dieu, OK. chose. C'est sûr que moi, j'allais un peu parce que je voulais être Vous étiez extrême. à l'extrême, autrement dit, c'est Exactement. ça, OK. Parce que je voulais vraiment être certaine qu'il Vous n'y vouliez ait être rien. clean, comme on dit, là. Exactement. OK. Fait que, mais c'est sûr que pour moi, parce que j'ai grandi au Canada, j'ai jamais eu à voir à ça, à faire à ça. Puis c'est sûr que quand je regarde les athlètes qui ont été enlevés de leur médaille, donc la Russie, entre autres, on a entendu beaucoup parler, Oh, ces athlètes-là, ils n'ont pas eu la chance que j'ai. Eux, ils viennent d'un pays où ils n'ont pas le choix de prendre ce qui leur est donné. Ah oui, OK, oui. Plusieurs personnes me demandent, es-tu fâchée contre les Russes? Tu sais, comme l'athlète qui était devant toi. Oui. Je peux pas être fâchée à une personne. Ce que je peux, par exemple, c'est ne pas être en accord avec les valeurs d'un pays. OK. Et là, je pense que c'est là que la lutte devient encore plus Non, mais importante et c'est plus très significative. intéressant ce que vous dites Parce là. que en Russe, c'est normal. Eux, ils font ce qu'ils connaissent, puis ça fait des années, ils n'ont jamais changé. Nous, il y a des années, on a eu des scandales de dopage, puis le Canada, il a dit non, nous, on n'accepte pas ça. Ce qu'on veut, c'est un pays propre. Et là, ce que moi, je viens de dire, c'est que ça a marché. Notre OK. pays est propre. Notre pays est un des meilleurs au niveau du contrôle. Il reste juste à apporter ça C'est partout. donc dire que, si je comprends bien, en Russie, l'athlète n'est pas, entre parenthèses, responsable si elle prend une certaine On substance. est toujours responsable de ce qu'on met dans notre bouche. Donc, OK. c'est sûr OK. que. Mais, ils sont forcés à le faire. Et souvent, s'ils ne le prennent Ah, pas, ils OK. retournent chez eux. Mais ça reste une décision de l'athlète. Je ne vais pas dire qu'elle n'a aucun blâme à prendre. OK. Mais pour eux autres, c'est normalisé. Pour nous, on a été de l'autre côté de la clôture. On dit non, non, c'est pas normal, puis c'est pas correct. C'est très néfaste pour les corps humains. C'est pas ce qu'on veut prôner. Donc, c'est ça la différence. Comment on prend un test? Mettons, bon, vous êtes aux Jeux Olympiques, on cogne à votre porte, Madame Gérard, on va prendre un test aujourd'hui. C'est quoi le test? Comment? Que ça se prend. En fait, quand on est aux Olympiques, il y a toujours des tests tout de suite après la remise des médailles. Ah, OK. Donc, dès qu'on sait qu'on est champion, les premières quatre personnes ont un test automatiquement. Donc, à partir du moment où les rangs sont annoncés, il y a quelqu'un qui nous est attitré et ils vont nous surveiller tout au long jusqu'à ce qu'on donne notre échantillon Ah, OK. de sang ou d'urine, OK. dépendamment. Souvent, c'est les deux maintenant. OK. Si c'est un test inopiné, c'est un peu la même chose. Donc, s'ils arrivent à la maison, ils cognent. Dès qu'ils nous annoncent qu'on a un test à faire, on n'a plus jamais le droit d'être seul. Donc, à partir de ce OK. moment-là, on a un chaperon qui appelle, qui nous Oui. suit. Aux Olympiques, c'est encore plus sévère. Donc, quand vient le temps de donner l'échantillon d'urine, il faut être complètement nu devant une personne qui nous regarde et s'assurer que c'est bel et bien notre urine OK.
qui va dans le pot. Oui. Donc, c'est assez intimidant pour les premières fois. Sûrement. J'en ai fait tellement que rendu à la fin, il n'y a plus de Ouais. problème, go, on Aujourd'hui, regardez, fait, c'est on y ça. va, point, là. Mais c'est sûr que les premières fois que ça arrive chez vous, c'est un peu gênant, tu sais. C'est Oui. rare que tu rentres dans la chambre de bain puis quelqu'un te suit puis qui te regarde comme Non, ça, faire sûr que le pipi qui coule est c'est... vraiment dans le pot, là. Non. Mais Que c'est ici, rien de vôtre, là, exactement, exactement, c'est là. ce qu'on a à faire. C'est le côté négatif pour avoir le côté positif de dire que notre pays est propre. OK. Donc, c'est comme ça que ça se passe vraiment. Il y a un chaperon, on donne nos échantillons, tout est scellé devant nos yeux et envoyé au laboratoire. La persévérance, vous en faites mention aussi plusieurs fois, la persévérance, là, c'est vraiment ce qui vous a permis de rester fidèle à vos ambitions. Sans le mot persévérance, j'ai l'impression que Christine Gérard ne serait pas assise à côté de moi aujourd'hui. Effectivement. Je le dis souvent, j'ai vu des athlètes dans ma vie qui étaient beaucoup plus talentueux que moi physiquement, qui avaient beaucoup plus de potentiel. Pourtant, c'est moi qui ai la médaille d'or et non eux parce que je me suis entraînée ardument pendant des années. Et c'est vraiment cette persévérance-là, cette détermination-là qui a fait la différence en bout de ligne, qui m'a permis de monter sur un podium en 2012. Ouais. Donc, la persévérance, Christine Gérard s'est dit, une bonne journée étant jeune, moi je vais persévérer absolument, je veux aller sur la plus haute marche d'un podium, fait que je vais persévérer, je me rends ça dans la tête, puis vous avez filé votre chemin avec ça. En fait, quand moi j'ai grandi, pour être honnête, là, j'ai toujours pensé que c'était impossible d'avoir une médaille aux Olympiques, en mon sport. OK. J'ai grandi en pensant ça. Mon objectif, c'était de me rendre aux Olympiques, puis d'être le meilleur que j'étais capable d'être en Ah, restant OK. propre. C'était votre premier objectif, c'était olympique. En restant propre. En restant propre. Après ça, là, ben, C'est vraiment à si. Pékin que là, je me suis dit, si j'ai terminé à 3 kilos du podium à Pékin, ça veut dire que dans 4 ans, je suis capable d'être là. Donc, c'est OK. vraiment en 2008 que je me suis dit, mon objectif, c'est un podium. Mais encore là, j'ai toujours pensé que la médaille d'or était inaccessible à cause des pays qui se dopaient. Donc, je savais que j'étais capable d'être aussi bonne qu'eux, mais de les battre toute la gang, ça, j'ai jamais cru, vraiment, pour être totalement Oh, honnête. oui. Mais je croyais fermement à un podium, et c'était mon objectif. Donc, c'est pour ça que quand je suis montée sur la troisième marche, pour moi, je le disais avant, puis là, je le disais aussi, peu importe la couleur, l'important, c'est que j'aille la médaille, puis OK. que je dise aux autres que moi, j'ai grandi en pensant que c'était impossible, mais c'est pas vrai, puis c'est possible. Donc, pour moi, ce succès-là était immense. J'ai lu aussi, c'était qu'à un certain moment donné, vous faites allusion sur la réalité de la vie d'athlète au Canada. Vous dites que c'est loin d'être comme dans d'autres pays. C'est quoi la différence? Ben, il y a autant de différences qu'il y a de pays, hein. C'est sûr Oui. que c'est vraiment très, très Mais, différent. Au Canada, oui. on a un soutien. Faut pas que j'enlève. J'en parle dans le livre, Oui. là, On the Podium, là, nous, le podium, le programme très spécial qui m'a permis de me rendre à Londres. On a aussi un certain salaire d'athlète quand on est à un haut niveau qui nous permet de ne pas travailler, mais c'est minime. Donc, c'est sûr que c'est difficile. Puis au niveau des installations, il n'y a pas de club national en haltérophilie. Donc, comme on le lit dans mon livre, moi, je me suis entraînée dans un abri d'auto que mes parents sont venus du Oui, Québec jusqu'en là, vous avez Colombie-Britannique des photos de ça. pour fermer les portes pour que je puisse m'entraîner là. Donc, c'est sûr que j'avais un certain soutien financier, mais j'avais pas nécessairement un support à n'en plus finir pour ce qui est du reste. Donc, le support financier m'a permis de me rendre là, m'a permis de faire ce que j'ai fait pendant les 4 années-là. Mais c'est sûr que c'est pas ce qu'on pense. Là, plusieurs personnes pensaient que je m'entraînais dans une espèce d'usine, tu sais, là, Oui. avec un gros gym puis tous les équipements. Mais non, c'est au pic et à pelle des fois, comme on dit. Ben, ça C'est veut dire que ce vraiment. que vous avez gagné, vous l'avez vraiment gagné. Vous Ah l'avez mérité. oui. C'est sûr. J'aime le croire, en tout cas. Ah oui, j'en suis persuadé aussi. Il y a une phrase que j'ai retenue aussi, puis qui est pleine de bon sens, puis je vais vous citer, si vous me permettez. Le dopage vole des moments importants comme le mien. Ça, c'est vrai, ce que vous dites là. Le Ouais. fameux dopage. Le dopage vous a enlevé une gloire mondiale, une visibilité mondiale, parce qu'on sait qu'il y a des millions de personnes qui regardent les Olympiques.
Vous avez monté sur une troisième marche, comme on disait tantôt, mais ce n'est pas votre drapeau et votre hymne national qui a joué. Donc, le dopage vous a enlevé ce moment de gloire-là et non pas votre dopage à vous, là, on s'entend bien. Le dopage vous a enlevé un moment de gloire extrême. Puis encore aujourd'hui, tu sais, avec tout le scandale de la Russie, on ne fait que ça, parler des scandales de la Russie et est-ce que les athlètes devraient être là ou non, mais on parle peu des athlètes qui sont propres en arrière puis qui se sont fait flouer. Ça, c'est vrai ce que vous dites. Et je pense que c'est ça qu'il faut mettre de l'avant pour dire, regardez, tous ces pays-là, là, ils ont des athlètes propres qui auraient dû mériter bien des choses qui ont Ça, c'est été vrai, là, enlevées. ce que vous dites là, vous ouvrez une parenthèse qui est extrêmement véridique. C'est que on parle beaucoup d'athlètes, comme vous dites, là, ben, le dopage des athlètes, mais les athlètes propres, on a tendance, en parenthèse, à les oublier, puis on ne devrait pas les oublier. Ce que vous dites, c'est vrai en mots justes. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'espère que quand j'aurai ma médaille, la cérémonie qui sera organisée, je veux vraiment que ce soit une célébration du sport propre et de nos valeurs canadiennes. Je veux que ce soit plus grand que moi, plus grand que ma famille, mes amis. Comme je le dis dans le livre, je pense que c'est le succès d'un pays. Donc, c'est vraiment important pour moi. Oui, c'est vrai aussi. Est-ce que, d'après vous, il y a encore beaucoup de dopage dans les sports? On va parler de haltérophilie, mais dans les sports en général, c'est une plaie. Je crois qu'on a dépassé, ça c'est mon opinion très personnelle, OK. je crois qu'on a dépassé le dopage personnel. Donc, je pense qu'il y a des années, l'athlète pouvait prendre la décision de se doper et trouver les façons contre. Maintenant, le système contre le dopage est tellement important qu'un athlète seul ne peut pas arriver à flouer le système. Ah, OK. Donc, je suis convaincue, selon mes connaissances, que t'as besoin d'un médecin, t'as besoin de quelqu'un, d'un chimiste, t'as besoin de quelqu'un qui va aider à camoufler le dopage. Et c'est ce qu'on voit par la Russie. Oui. Et je crois que c'est vraiment au niveau des valeurs des autres pays qu'il faut s'acharner maintenant et non directement sur les athlètes. Je pense que si un athlète se dope aux Olympiques, il y a quelqu'un caché en arrière qui lui a Allez à la permis de se rendre là. base, c'est ça. Parce qu'au Canada, c'est ce qu'il fait. S'il y a quelqu'un qui essaie de se doper, ils ne peuvent pas se rendre bien loin qu'ils vont se faire attraper avant. Parce que le OK. système est trop fort ici. Ah, OK. Fait que je pense que c'est juste une question de temps avant que ça soit au niveau international. Et là, on le voit les changements. On voit les athlètes qui se font prendre et on voit les équipes qui se font prendre. Donc, je pense que c'est juste une question de temps avant que le sport redevienne encore plus propre qu'il l'est maintenant. Est-ce qu'on peut dire que 6 ans plus tard, il nous faut croire en la loyauté du mouvement olympique mondial? Oui, je pense que le Comité olympique international travaille très fort pour rendre les Olympiques encore plus propres qu'avant. Fait que je pense qu'il faut croire en leur travail. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendez-vous à une prochaine émission. On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.